Ben alors? Ah, direct, télépaths. Pourquoi il y a un Marex avec... Il a quoi sur le front, Marex, là? C'est quoi ce truc d'Akatsuki, non? Non, en vrai, c'est quoi le truc, on dirait Marex? C'est pas le signe du Konoha, je crois pas, hein. Ça fait des connards? D'accord, ok. On voit pas très bien, on a essayé donc. J'ai pris mon Q-spell par connerie en fait, c'est ma faute. Il a tellement fait chier comme un mongol que je me suis fait surprendre. Time catched up. Difficile à dire. Jin a raté son Z, c'est vrai? Dans un couloir comme ça, c'est dommage. En vrai, le début de game contre Gnar, il est assez... peu simple. Parce que bah, Gnar te full poke facilement. Il joue Conqueror, le Gnar. En fait, moi, ce que je veux, par contre, c'est qu'il mette des auto-attaques. En fait, l'objectif, c'est de pusher un peu la wave. Parce que, en gros, ce qui se passe, c'est que... S'il m'attaque, mes sbires l'aggro lui. Et du coup, en fait, indirectement, ça va pusher. Ça, c'est une astuce quand vous êtes vraiment dans un match-up éclaté au sol et que vous savez que vous n'allez pas pouvoir toucher au sbire. Vous sacrifiez un peu de PV en début de game pour qu'il vous auto-attaque et en fait ça va pusher la lane. Là, vous voyez, j'ai pas du tout pushé, il a pas spécialement pushé non plus. Mais il n'y a pas choix, tu vois. Parce qu'à partir du moment où il décide de m'attaquer, ça push la wave. Oh dommage. It must be done. Il y a beaucoup de bière là. Hein. Il y a milieu. Action. Ok, on push ça, tant bien que mal. On fait quoi comme item sur chaîne du coup? Parce que je connais rien du tout, hein. Genre je vous le dis tout de suite. Divine Cinder, ça me paraît bizarre. Je crois pas que ça qu'on fasse. Je crois qu'on va faire un rush Tita. Hein. Je crois que c'est Tita Cap Solaire. Ce qui me paraît être le mieux ici, mais. With
balance steps. Phoenixis. Ah, pas grand chose, hein. On travaille tant bien que mal. J'ai ma TP là, j'ai mon ulti si besoin, mais enfin, c'est que là je peux pas trop TP. Hein. En fait, l'idée c'est que maintenant l'objectif d'avoir ça va me permettre de pusher en permanence. Ok, la marque est pas très longue. Dommage que j'ai raté mon stun, mon taunt. Si, si, je joue midlane normalement, mais là j'avoue que je suis un peu cité de la midlane en ce moment. Je sais même pas si je max le bon sort. Hein. Prends max taunt hein, sur moi. Oh. Merci beaucoup, merci infiniment mon pote, c'est trop gentil. Comment tu vas? Ok. Oh joli celui-là. Ok, nice. C'est pas très fun à jouer, hein, Shen. Hein. C'est pas le champion très très fun à jouer, hein. Merde. En fait, je comprends pourquoi il y a des gens qui abusent de ça. Hein. C'est vraiment fort. Et c'est tellement facile à jouer en plus. Il y a tellement de champions difficiles à jouer, mais alors Shen en fait vraiment pas partie, genre. Attends un peu encore. So I go. Ah bien joué le dash. Je connais pas encore la portée du dash. Je pensais qu'il allait venir beaucoup plus vite. Mais il était vraiment pas pressé le Lee Sin, hein, je vous le dis. C'est chiant, je connais pas encore la portée de...
le truc de chaîne, donc je vais les rater une ou deux fois encore. Parce que je vais faire ça vraiment, depuis qu'il a été rework, je vais jamais jouer, genre. Dommage, j'avais une seconde près. Mais de toute façon, je pense que ça aurait été trop tard. Ouais, je sais, je connais les mécaniques de chaîne quand même, hein, le côté du... si tu touches le Q, t'as la vitesse d'attaque, etc. Y a pas de soucis, mais... Je m'en rappelle. Parce que là, je peux pas trop me déplacer là avec mon ultime. Si je fais ça, je perds ma tour. Pas trop le personnage pour l'instant. Franchement. La portée du E est limite, ouais, mais surtout avec le flash, quand tu connais pas trop la hitbox du champion, la hitbox, enfin la portée du E et tout, c'est toujours un peu compliqué, mais bon. Ça va arriver assez vite, je pense. C'est vraiment pas le truc plus compliqué, hein. C'est même plutôt simple en réalité, mais faut juste s'y habituer quoi. Lee Sin mid-tab, c'est très fort. Regardez tellement hier. C'est marrant, je te l'accorde. Merci beaucoup, bienvenue à toi, Shiryu, comment tu vas? C'est mort. Bienvenue à toi aussi, Destiny. Merci pour les follow, les potes, installez-vous. What? Bon. On va tranquillement taper ici et en vrai j'aurais dû retourner top je pense. J'aurais dû retourner en top lane direct je pense, c'était une erreur de ma part. Parce que concrètement j'avais rien à faire là. Je reset mais tant que j'ai pas mes sous pour mes 1200 là, je suis bloqué de toute façon donc. Par contre j'aurais pu me taper ici, ça c'est ma faute. Oh, incroyable.
Incroyable. Merci beaucoup, bienvenue à toi, Slim. Slim, comment tu vas? La petite proc poignée de mortel là qui fait mal. N'empêche qu'il me défonce hein. Ouais il me défonce de ouf même. Oh. Je suis pas du tout les match-up top pour l'instant, j'ai une grosse phase d'apprentissage à faire. Hein. Mais je me dis tant que... Ouais je vois. En gros, je vous explique pourquoi on... Merci beaucoup, Saru, comment tu vas? Je vous explique pourquoi on décide de pas le prendre, ok? En gros, avant 18 minutes, à peu près, entre 16 et 18 minutes, si vous prenez l'inhibiteur, en fait, ce qui se passe, c'est que les sbires, les gros sbires, en fait, sont là vraiment pour... Enfin, vont vraiment aider les adversaires. On a aucun, en fait, le truc ne sert à rien, en fait, concrètement. Incroyable, moi qui pensais que le perso était nul. Non, 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 il est vraiment trop bien. Enfin, bien, il est viable. En fait, partez dans l'optique que prendre un inhibiteur pour rien ne sert à rien. Enfin, tout seul, en fait, sert à rien, d'accord? C'est pas parce que vous détruisez un inhibiteur que vous gagnez plus la game. L'inhibiteur, c'est un truc qui va vous ouvrir des objectifs, d'accord? Du coup, là, en fait, si on prend un inhibiteur à 16 minutes, quand l'inhibiteur revient, bah, il y a Nashor qui respawn, en fait. Ah ouais, c'est à moi de split flash là. Hein. Tread carefully. Du coup, ouais, éviter de prendre un inhibiteur en fait avant 20 minutes, c'est. Genre 19 minutes, c'est ok, tu vois. 18, 19, ça commence à venir, mais idéalement, le plus tôt possible de 20 en fait, c'est le plus idéal. Parce que le Sin Nashor en fait, enfin Sin Limiter a une utilité, c'est bien vous offrir de la liberté sur de la pression sur une lane gratuitement et du coup ben tout le temps que cette lane est pushée par l'inhibiteur, ça permet vraiment de mettre de la pression sur la map et vous libérer d'espace ailleurs quoi. Notamment au Nashor forcément. Donc bah s'il n'y a pas de Nashor, bah autant dire que ça sert à rien quoi. En gros c'est le concept. J'ai pas pu bouger, monsieur. Ils sont tous stables, donc... ça nous donne l'inhibiteur bot. Et là, pour le coup, l'inhibiteur bot va être absolument clutch. Puisque en détruisant l'inhibiteur bot, là, on va avoir une pression H24 ici. Et moi, j'aurais juste à speed push vers la bot lane. La mise. Bah j'ai un peu du TP hein. My bad, my bad. Plus sur mon main, ouais. Get Nash ready.
Ah, tant pis. Meilleur moyen de perdre une game, ça. Hein. Il a vraiment fait ça, le Gnar. Ça marche, le boss. Ouais, ça nous a coûté très cher, cette histoire. Incroyable, ce qui se passait. Bien, Jean. T'as nickel, toi. Bon. In worse. Non, je suis allé. Ma TP est nécessaire, mais bon. C'est 3 minutes. C'est sûr. Il y a d'ailleurs plus de cheese ganache, ouais, de fou. Oh, Lou, comment tu vas? Incroyable, 7 mois, c'est incroyable. Passe une bonne journée, un bon dimanche. Ok. On est good. J'aurais dû me casser direct. Mais je pense pas que j'aurais pu m'en sortir. Ils ont tellement de CC à eux deux que je préfère tout simplement mourir en mode. En fait, je me suis dit, si le mec, le Zac, il est là, c'est qu'il a décidé de nous laisser le. Le Nasher, donc. Incroyable. C'est trop fort les signes. Oh. Qu'est-ce que c'est fort les signes, les gens. Qu'est-ce que c'est fort les signes. Quel enfer. Free win.